Yo les potes, c'est Kélian, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo de pixel art, donc ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc c'est Walid qui a proposé cette vidéo de faire un Naruto en pixel art, les gars. Alors déjà, faut prendre du noir, du bleu foncé, du bleu. Du bleu clair, vu que j'ai perdu mon bleu clair en feutre alcool, bah j'étais obligée de prendre du bic. Un gris foncé, un orange, un orange clair, un orange normal, un jaune et un beige. Voilà. Donc là, les gars, on va commencer par faire les contours. Alors, déjà, on va commencer par. Le pied. Alors, le pied. Alors. Donc là, on commence par faire 6 carreaux. Donc regardez bien, je prends combien de carreaux parce que ça va être compliqué. Parce qu'avec vous, je vous connais, hein. Juste pour vous dire, ce dessin il est compliqué, hein. Ce dessin il est compliqué à mort. Alors, juste attendez voir une seconde. J'ai remarqué que je viens de faire une faute, non? Non, en fait, c'est bon. Non, franchement, il est compliqué à mort, hein. Sur ce coup-là. Donc là les gars, je suis juste en train de faire les points pour me repérer parce que c'est très compliqué. 1, 2, 3 et 4. Donc je mets ces points juste pour me repérer, je répète, hein, au cas où. Voilà. Non, oh, attendez voir. Ok, mais revoilà.
Donc là, je suis juste en train de faire les contours, hein. Compliqué, c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Attendez une seconde. Je sais pas, j'ai eu un bug là. Wow, mais il est trop chaud le dessin. Non, franchement, il est trop chaud. Putain, la vérité. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu un dur comme ça, hein, je vous le dis juste. Le Sangoku, il était large plus facile. Hein. Le Sangoku que j'avais fait 33 000 vues là, il était large plus facile. Oh, mais je fais des fautes aussi. Juste pour vous prévenir, si vous avez mis un point noir ici, ce n'est pas très grave. Hein. Ça, y a rien, y a pas de différence.
Il n'y a pas de différence. Parce que je sais qu'il y en a qui vont se tromper encore et voilà, après ils vont dire, oh c'est nul, tu expliques pas bien. Non, franchement, je vous dis juste, honnêtement, ce n'est pas grave. Moi, franchement, dans les deux, il y a certains piqueurs, j'ai fait des fautes et ça. Et ça. Comme l'ancien Goku, j'avais fait des fautes et franchement, il n'y a rien qui. Ça se remarquait pas. Là, il faudra commencer à colorier et ça va être un des trucs les plus chiants parce qu'il faudra changer de couleur énormément. Ça va être très compliqué ça. On va commencer par le bleu foncé. C'est celui-là, hein. Bien sûr, ce n'est pas de feutre alcool, utilisez vos propres feutres, Oh, qu'est-ce qu'il a, mon feutre foncé? Oh, je sais pas, il marche plus. Oh merde, c'est la merde. Vous savez ce qu'on fait? On va prendre le gros truc là, celui-là, ouais. Ah, tout d'un coup, il marche celui-là, hein. Honnêtement, le bruit casse les oreilles. Hein. Je pense que vous êtes tous d'accord, mais bon. Et c'est un peu mal colorié. Alors, je vais essayer de changer ça après. C'est un peu mal colorié, je le sais, mais vous inquiétez pas, ça va direct changer, vous allez voir. Voilà. Voilà, c'est déjà un peu mieux ça. Hein. Hop, hop. Donc là, j'ai fait un peu les formes un petit peu plus carrées. Hop là. C'est un peu mieux comme ça. Ensuite, vous allez prendre le foncé. Voilà. Vous allez prendre le bleu normal. Colorier là-dedans. Ensuite, ce que vous allez faire, bah, vous allez toujours prendre le bleu normal, hein. Donc là, on va déjà colorier celui-là. Donc, je vous ai dit, il faudra changer énormément de couleurs. Comme là, ici. Là. Oups, reprenez le noir ouais. Et vous allez colorier, hop,
Hop. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Merde, pas le bleu foncé, excusez-moi. J'arrête de me tromper. Voilà. Donc là, on est déjà à 17 minutes de vidéo, les gars. 17 minutes, vous en rendez compte, alors que là, on est vraiment encore rien. Et la vidéo, je peux pas l'accélérer, c'est le problème. Parce qu'après, c'est dire que vous pigez rien. Ok. Après, vous êtes les premiers à dire ça. Ensuite, 3, prenez le bleu clair, hein. Et on colorie 3 ici, ensuite 1, 1 là, donc en fait on colorie à peu près tout le contour, hop, il faudrait que je me grouille un peu, hop. Donc là j'ai mis un trait pour colorier, ici, ici, ici. Voilà, donc ça c'est fait, ok, bon le temps que ça sèche, vous verrez que ça sera beaucoup mieux. J'ai oublié un petit truc. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le orange, mais normal, c'est le feutre qu'on va le plus utiliser ben, du dessin. Voilà. Donc là, on va commencer à colorier déjà. Donc déjà, je mets ça pour faire les limites. Hop. Voilà, donc là on va déjà colorier tout ça.
Voilà. Donc ça, c'est le début. Et voilà. Donc ensuite, vous allez prendre l'orange. L'orange, et vous allez dessiner. Tout ça. Oh putain, il y a un truc qui me gêne, un truc de fou. Voilà. Voilà. Après ça, vous allez prendre le noir. Hop. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre l'orange. Voilà. Ok. Ensuite, vous allez prendre le, de nouveau le orange normal, hein, et vous allez faire 3 ici. Je vous ai dit que c'est compliqué à mort. Parce que ça commence à ressembler à quelque chose là, ça commence. Donc, vous voyez qu'il commence à avoir un petit air là qui commence à ressembler. Donc là, vous allez garder tout le temps l'orange, parce qu'on va dessiner vraiment tous les endroits en orange, tous les endroits où on doit dessiner en orange. Voilà. Ensuite, là, on va commencer à dessiner ses cheveux. Je sais pas si vous voyez du coup. Ça va être compliqué tout ça. Voilà. Franchement, la personne qui m'a défié pour faire ce pixel-là, franchement, je le remercie parce que au moins ça m'aide énormément. Genre, en fait, ça m'aide. Genre, au moins je m'entraîne, vous voyez. J'en fais pas mal, mais franchement, des trucs comme ça. Alors, j'ai essayé de faire un Léviator, mais vu que je me suis énormément trompé, foiré, j'ai abandonné. C'est ça le problème parfois. Ceux qui connaissent Naruto, c'est cool, hein, parce que la dernière fois je fais un Son Goku, putain, il a quand même fait pas mal. Voilà. Et voilà, donc là, non, en fait, non, qu'est-ce que je raconte? J'allais dire, on avait fini avec le orange, mais en fait, non. Donc là, on va faire la suite, hein, hop.
Et pour les personnes qui suivent pas, je vous conseille de mettre à chaque fois en pause quand je dessine un truc, parce que c'est... Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que parfois, ouais, je comprends rien, ou des trucs comme ça. Donc, voilà, pour les personnes concernées, je vous conseille de mettre en pause, hein. Moi encore, je suis, mais... Maintenant, vous allez prendre le... C'est pas du jaune, ah non. Le... Ouais, le jeu. On va dire ça. Ouais, le orange clair. De toute façon, vous allez prendre le bleu foncé, hop, normalement ça doit être bon là. Ah, comme par hasard, il remarche, hein. Putain. Ouais, on va dire ça en fait. On va dire qu'il remarche. Tiens, on n'a même pas encore colorié ses pieds en fait. Ah bah oui, là il y a un problème là. Désolé pour le bruit. Là, vous allez prendre du bleu, ok, et du bleu, ouais, du bleu normal. Et vous allez colorier toute sa chaussure. Là. Ici, par contre, vous allez prendre aussi le bleu normal cette fois. Et ici, vous allez. Vous allez prendre le bleu clair et voilà. Va prendre le orange de nouveau. Vous allez prendre le gris, ok, le gris, et le gris foncé. Et vous allez dessiner ça. Oh là là. J'y comprends rien, c'est un truc de fou. Voilà. Non mais c'est un truc de taré. Non mais en vrai c'est vraiment un truc de taré, hein. Je vous le dis juste, c'est un truc de ouf. Alors, là cette fois on va, bah là on va dessiner son œil, ok, c'est celui-là son œil. Vous allez prendre le bleu, vous allez. Ben. Hop là. On va prendre ce qu'il y a en dessous de l'œil, voilà. Ensuite. Alors ensuite, vous allez prendre le beige, ok. Et. Attendez voir, on va prendre du beige un peu clair, comme ça. En fait, on va prendre ces deux couleurs-là, et vous allez voir que ça va former un super beau truc. Genre pour ses mains et tout ça. Ah là aussi, il faut commencer aussi à colorier aussi là. Donc là, hop.
Voilà. Donc ça, voilà, ok. Donc là. Ensuite, vous allez prendre ben, le beige. Hein. Et bien sûr, là, vous allez laisser en blanc. Il est génial ce. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire, les gars? C'est pas terminé, ça je le sais. On va prendre du bleu. On va dessiner ça. On va prendre du bleu, ben du bleu foncé. Franchement, moi je fais le plus de détails dessus. Hop. On va prendre du orangé pour ici. Là aussi. Là, on va prendre. Voilà. Et pour terminer, ouais, on va dire presque pour terminer, bien sûr, pour le col ben ouais, pour le dessin, hein. Presque terminé, bien sûr. Donc là, on va dessiner sa main déjà. Donc ça c'est sa main. On va prendre le beige de nouveau. Bien sûr le beige. Voilà, donc ça c'est sa main. Va prendre le bleu foncé. Voilà. On va prendre le du orange et le jaune. Voilà, le jaune n'est même pas encore utilisé dans la vidéo. Pour faire ses cheveux. Donc ça c'est le orange. Allez. Hop. Voilà. Ah, on va dessiner en jaune. Ah, le bruit aussi. Je crois que le feutre il est mort aussi. Mais cette fois, je crois, parce que je sais pas pourquoi, parce qu'il a séché. Ça, je suis sûr et certain. Par contre, lui, parce que lui, je l'ai beaucoup utilisé. Ça. Oh, il a fait un bruit de taré. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pour le jaune. Et je voulais juste vous dire que. Le dessin est terminé, voilà. Est terminé. Hop là. Donc j'espère que ce dessin vous aura plu. N'hésitez pas à mettre, mais vraiment un maximum de commentaires. Proposez-moi des vidéos dessin ou des pixel art ou des vidéos facecam, les gars. Lâchez un énorme pouce bleu pour ces entre 30 et 40 minutes de vidéos. Bah, pour beaucoup de mal, hein, bien sûr, à faire ce dessin. Voilà.
Et si vous voulez me défier pour un pixel art bien encore plus compliqué que celui-là, ben je suis toujours voilà, envoyez-moi des commentaires les gars. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.